Bonsoir, salutations à tous ceux qui se connectent. Ah oui, il y a eu beaucoup de connexions d'un coup. Vous. Bon, salutations à tout le monde. Imani, Dani, Myriam, Mariam, Balou, Daniel, Kandem, Bikikidi. Donc, connectez-vous, Moutou, connectez-vous, connectez-vous. Tous ceux dont je n'ai pas encore cité le nom, connectez-vous. Amani, Islaine. Connectez-vous, connectez-vous. On va entrer dans la révélation. Comme je dis constamment, la révélation, c'est révéler l'action. Gonbe, Marlène, Charlène, plutôt, Kofi. Dani Dan, connectez-vous, connectez-vous. Et pendant le live, envoyez constamment les cœurs, c'est très important. C'est très, 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 très important, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je sais qu'il y a dans certains pays actuellement, c'est le confinement pour beaucoup, c'est le confinement et des gens se sentent oppressés, tandis que d'autres endroits, certains frères qui sont peut-être en Amérique du Nord, la frontière est fermée là-bas, ils ont l'interdiction de venir en Europe. Donc, ils ne peuvent pas venir en Europe pour ceux qui sont en Amérique du Nord, principalement au Canada, parce que les frontières sont fermées. Mais s'ils ont un passeport européen, ils peuvent venir. Donc, connectez-vous, on ne va pas tarder à commencer le direct. Nous allons pas tarder à commencer le direct, c'est très important, nous allons parler de la foi. Kamela, Bodo, Kadjoani, connectez-vous, Wafeu, Roland. Et donc, on va pas tarder, on attend un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent. Déjà, on est vendredi, selon cette époque, selon cette réalité, on est vendredi. Et beaucoup de personnes vont se connaître encore plus, verront le direct plus tard. Mais ici, on va connecter, on va bientôt commencer. On attend un tout petit peu que les gens se connectent un peu plus. Motati Timbe, Madi, Guiche, Diako le show, Thomas. Donc on va Nivri, on va aller commencer. Oui, mettez Dino. Donc on va pas tarder à commencer le direct. Ici, nous allons parler de la foi. En gros, le secret de la foi. Il faut d'abord savoir c'est quoi la foi. Parce que beaucoup de personnes parlent de la foi. Certains disent qu'ils ont la foi aux plantes. D'autres vont avoir la foi aux esprits, aux féticheurs, aux marabouts, aux médecins, d'autres aux crânes, d'autres aux ancêtres, d'autres vont dire ils ont la foi en Dieu, sans toutefois savoir c'est quoi la foi. C'est quoi la foi? Dans la langue originelle, comment on dit la foi? Comment on appelle la foi? Comment on nomme foi? C'est quoi la foi exactement? Parce que les gens confondent les sensations et la foi. C'est-à-dire la sensation et la foi. Les gens confondent beaucoup, je répète ici, la sensation et la foi. Donc, c'est pas ce que quand vous voyez dans d'autres formes de religion, de spiritualité dites réveillées, c'est-à-dire dites révélées, ils vont avoir ce qu'on appelle le sensationnisme et ils vont vous dire qu'ils ont la foi en leur divinité qui n'existe même pas, aux choses éphémères, aux choses de néant, de vanité, qui n'ont aucune substance spirituelle, aucune réalité. Donc, ils vont donner des noms, des appellations, ils vont s'imaginer, et en gros, ils vont s'imaginer des scènes, des sensations, vous voyez, dans un peu partout, dans toute forme de religion. Et c'est là où vous voyez que le monde, quand on dit le monde, les gens dans le monde, dans toute forme et sorte de croyance, les gens ne font que ressortir les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises, on va dire, natures.
Mais ici, nous allons d'abord aller à l'origine pour savoir c'est quoi la foi. Comment la foi vient? La foi, c'est quoi? Parce que les gens pensent qu'eux, ils décident d'avoir la foi en quelque chose. On va vous expliquer comment naît la foi, comment la foi se manifeste, le secret de la foi. Donc, premièrement, la foi dans la langue, voilà, dans la langue originelle, voilà l'ancien, le mot foi veut dire doubé. Vous voyez? Doubé. Quand c'est ça la définition, en gros, le mot, la phrase, le mot, la foi, en langue douala veut dire doubé. On dit doubé. Et maintenant, doubé, c'est quoi? Si on entre dans les profondeurs de cette langue-là, de cette phrase-là, on va décortiquer le mot doubé. Doubé, en même temps, qui veut dire obéir. Vous voyez? Parce que quand tu as la foi, la foi véritable, tu dois obéir, tu dois croire. Doubé, c'est croire. Doubé, c'est obéir. Parce que d'autres vont dire doubé, pour obéir, on va dire singané. Non, singané, c'est comprendre, c'est écouter. Maintenant, quand on te demande aussi par rapport à la phrase, écoute dans la conversation, c'est pour que tu puisses accepter. Donc, singané, singa. Mais le mot foi dans la langue originelle, dans le douala ancien, veut dire doubé. Doubé, ce qui veut dire croire. Donc, bonsoir Prisca. Donc ici, nous allons parler du secret de la foi. On va aller dans Jean, c'est-à-dire l'Akisabé, dans l'Akisabé chapitre 1, versets 63 à 65. Je répète, dans l'Akisabé, dans Bibel. Ici, on va prendre les versets uniquement de Bibel pour vous montrer comment naît la foi. Donc, dans l'Akisabé, donc Jean chapitre 1, versets 63 à 65, il est dit ici, bien-aimés, ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont de Tété, virgule. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le visible. Il y a point ici. Donc, premièrement, dans l'Akisabé, chapitre 1, et pas si Ewor, parce que quand on lit le chapitre 1, dans la langue douala, ça veut dire l'Akisabé, et pas si Ewor, et pas si Ewor, donc qui veut dire, et pas si, qui veut dire en même temps la moitié, et ça veut aussi dire le chapitre. Donc, le chapitre, c'est-à-dire on coupe pour passer à autre chose, donc on coupe toujours, donc c'est ça qui veut dire aussi, et pas si. L'Akisabé avait mis en garde beaucoup de personnes qui croyaient, qui avaient la foi, mais qui n'avaient pas une foi ferme, qui n'avaient pas, en gros, ils n'étaient pas encore solidifiés dans la spiritualité ancestrale. C'est en cela où il mettait en garde, il dit ici, bien-aimés, ne mettez pas foi en tout esprit, ne mettez pas foi en tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont de Tété, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le visible. Il y a point. Pourquoi il met cette mise en garde? Tout simplement parce qu'à une époque donnée, il y a eu beaucoup de croyants, ceux qui ont cru à la véritable, c'est-à-dire à la parole véritable, ils avaient foi en Loba, ils avaient foi à sa parole, ils avaient foi à Eyala, ils avaient foi à Tété. Et beaucoup de prophètes sont venus, beaucoup de faux prophètes sont venus, ils ont commencé à ramener des idées. Ils ont ramené d'autres formes de croyances, d'autres formes d'adoration, d'autres formes de mensonges, en gros, inventer des divinités qui n'existent pas, donc raconter des barlivènes, des choses qui n'ont pas de sens, exactement comme on voit actuellement dans plusieurs religions. Ils vous disent que c'est le Dieu unique, mais vous savez que ces dieux dans toutes ces religions, ce sont des mensonges. Vous voyez, quand vous voyez même l'état du monde. Vous voyez, toutes les religions, ils pensent à quoi? Le peuple noir actuellement, on va vous dire, du côté de ce qu'on appelle la chrétienté des chrétiens, on va vous dire que les noirs sont protégés, demandent de l'aide au Dieu d'Israël. Donc, que le Dieu d'Israël puisse les protéger. Or, tandis que Israël, là-bas, ils ne demandent pas de l'aide à les faux dieux, de les protéger. Eux, ce qui les protège, c'est les bombes. Vous voyez, les armes, les bombes pour les protéger, tandis que le peuple noir, eux, c'est pas ça. Il veut que le Dieu inventé des autres peuples, des autres races, puisse les protéger. Parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi est basée sur du mensonge. Est basée sur du mensonge.
Donc ici, dans Jean chapitre 1, verset 90, il est dit, et la victoire qui triomphe du visible, virgule, c'est notre foi alimentée par le verbe de têter. Donc la foi doit plutôt être alimentée par le verbe de têter, donc du Créateur unique et véritable. Tout simplement, parce que la foi c'est quoi? C'est adhérer, c'est ce qu'on appelle l'adhérence. La foi c'est doubé, c'est obéir. La foi, on va vous expliquer plus tard la définition même du mot foi. Donc, quelqu'un ne se lève pas le matin en disant qu'il croit en Dieu. Déjà, je vous ai démontré déjà que le mot Dieu veut dire Dios, Zeus, Zeus, dans la mythologie grecque. Donc, chez les Grecs, Dieu, ça veut dire Zeus. Donc, c'est une créature. Et Zeus n'était pas le plus puissant des dieux. Zeus n'était pas le plus puissant. N'était pas le plus puissant dans la mythologie grecque. Vu qu'il y avait des titans, les dieux dans la mythologie grecque avaient peur. Avaient peur des titans. Voyez. Donc ici, vous comprenez par là que pour vaincre l'antivérité, pour vaincre le mensonge, pour vaincre la négation, pour vaincre l'antiphrase, pour vaincre le système établi par mon Dima Bobé, le mauvais esprit, toute forme de spiritualité dite révélée et de croyance qui vous apporte rien du tout, il faut avoir une foi véritable. Et cette foi, elle est alimentée uniquement par le verbe de l'Oba. C'est en cela où le même apôtre connu sous le nom de Lakisabé, a expressément écrit dans ses écrits, expliqué, donné cet avertissement, dans, comme j'ai lu au départ, dans Jean chapitre 1, versets 63 à 65, où il avait expressément dit, bien-aimé, ne mettez pas foi à tout esprit. Vous voyez, parce que les gens pensent que si un démon va venir, un esprit va venir, va se manifester, les gens vont forcément avoir la foi, donc ils vont adhérer à cet esprit, ils vont faire confiance en cet esprit-là. Et ces mauvais esprits ont beaucoup joué. Ces mauvais esprits savent comment l'homme se comporte. Sans cela, où on va appeler maintenant les esprits familiers, ils vont entrer dans vos rêves. Ils vont prendre l'apparence des défunts. Ils vont prendre l'apparence d'un père, d'un ancêtre qui est déjà mort et que vous avez peut-être connu, va entrer dans votre rêve et va vous expliquer des choses. Et vous allez croire à ces choses, donc vous allez adhérer à cet esprit. Vous allez faire confiance à cet esprit. Et maintenant, quand vous allez faire confiance à cet esprit va vous égarer parce que vous ne serez pas dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Dans ce sens-là où on vous dit ici que la victoire pour vaincre plusieurs prophètes, pour vaincre les religions, pour vaincre l'antivérité, pour vaincre le système établi dans le visible, il faut triompher cela par votre foi. Et votre foi doit être plutôt alimentée par le verbe de têter. Sans cela, où quand vous lisez dans Bible, vous voyez Bible, la seule Bible authentique, originelle, que même le faux pape, qui est là-bas, ce mongol-là, a lui-même, il reconnaît qu'il y a des erreurs, des contradictions dans la Bible, en tout cas dans les fausses Bibles que les ancêtres ont écrites. Contrairement à Bible, c'est la seule version authentique, originelle, pas d'erreur, pas de confusion, pas d'hérésie. Donc, quand vous allez dans la préface de Bible, on vous dit ici, pour accéder à la foi en l'Oba, parce que pour avoir la foi, il faut d'abord accéder à quelque chose. Il faut accéder à quelque chose, premièrement. Donc, pour accéder au mystère de la foi en l'Oba, il faut pénétrer dans les profondeurs de l'observation des ouvrages qui composent la création. Il y a point. Et beaucoup de ceux qu'on appelle les physiciens, un peu partout dans le monde, ceux qui vont, même les scientifiques, ceux qui vont croire, d'autres qui vont parler du Big Bang, du Big Crash, la théorie des cordes, ainsi de suite, on va aussi parler de la théorie des mèches, ils vont vous dire que, d'autres vont observer les ouvrages qui composent la création, dont l'univers, la voie lactée, les étoiles, les galaxies, ainsi de suite, mais sauf que dans des mauvaises intentions, parce qu'ils ne connaissent pas le Créateur. Donc, dans des mauvaises intentions, en cela où ils ne pourront pas croire
que derrière toute chose, il y a une raison d'être. Donc, derrière toute chose, il y a une volonté supérieure. Il y a, en gros, il y a une connaissance intelligible qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer ou concevoir. Donc, pour eux, ils vont dire le hasard. Et d'autres vont peut-être dire ce qu'on va appeler Einstein. D'autres diront que Einstein, à un moment donné, il a cru que Dieu existait. Donc, que Dieu existe. Mais ils vont néanmoins dire que Dieu existe, mais que Dieu est dans le temps. Parce que pour parler, pour s'exprimer, pour créer, il dépendait d'un temps pour que sa création puisse se manifester. Or, ils sont tous dans l'égarement parce qu'ils n'avaient pas la foi en l'Oba. Maintenant, comment faire pour avoir cette foi? Comment la foi se manifeste? La foi se manifeste comment? Vu que pour avoir la foi en quelque chose, pour avoir la foi en quelqu'un, il faut au préalable voir la personne ou entendre la personne ou savoir que la personne existe. L'homme n'a pas décidé, en tout cas au début, au temps des ancêtres, ils n'ont pas décidé d'eux-mêmes de dire que le Créateur existe. Non, il a fallu un contact d'abord qui va les mettre dans l'indice que le Créateur existe, que toutes choses ont été créées par l'Oba, l'unique Créateur. Et comment ça se produit? Est-ce qu'il va se manifester en face de toi? Non, l'Oba ne se manifestera pas en face de toi parce qu'il n'est pas une créature. L'Oba n'est pas un homme, rien ne le contient, la création ne le contient pas. Il est hors de toute réalité, en dehors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Donc, comment ça se produit? Comment ça se produit? On ne va pas mettre le moto parce que le moto est la dernière entité qui a été créée, qui a été manifestée. Donc, le moto n'avait pas besoin de la foi. Oui, le premier homme n'avait pas besoin de la foi parce qu'il vient du grand ordre des choses dans le monde spirituel, en tout cas pas du côté de son esprit. Donc, maintenant, ceux qui viennent après Moto, comment ils ont fait pour croire, pour adhérer que le Créateur existe, donc c'est-à-dire l'Oba Tétain existe? Comment vous savez que, pour ceux qui disent Dieu maintenant, ceux qui vont me regarder, qui disent que Dieu existe, comment vous savez que Dieu existe? Vous savez que Dieu existe selon vous? Parce que, étant petit, on vous avait dit que Dieu existe. Eh oui, vous n'avez pas deviné de vous-même. Donc, votre foi, elle est basée sur du faux, sur du mensonge. Votre foi, elle est basée sur les dires des hommes. Est-ce que vous comprenez? Or, ça, ce n'est pas la foi. Donc, la foi doit se manifester en toi. Ce n'est pas l'homme qui va venir te dire, voici la foi, voici comment il faut faire. Non. Donc, on vous dit ici dans Proverbes, chapitre 1, verset 20. Toujours dans Bible. L'entité de sagesse crie hautement par le biais de la nature. Il y a virgule. Donc, l'entité de sagesse n'est pas un homme. Vous voyez, il n'est pas physique. L'entité de sagesse est un esprit, c'est un monde supérieur du grand ordre des choses. Donc, va crier ici. Crier ici, ça va symboliser quoi? Va, quand vous observez la nature, vous voyez, parce que dans les Bibles actuelles classiques, celui qu'on appelle Paul, mais son vrai nom c'est Sombé, il est dit, dans le livre des Corinthiens, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature va vous enseigner comment? Un arbre va vous enseigner comment? Vous allez parler comment avec un arbre pour que l'arbre puisse vous enseigner? Parce que derrière l'arbre, il y a une entité qui protège les arbres. Et c'est cette entité qui va s'adresser à votre esprit par l'intermédiaire de l'apparence visuelle et audible de cet arbre-là. En cela, on vous dit ici, dans Proverbes 1, 20. L'entité de sagesse crie hautement. Ça dit que quand vous observez les nuages, vous observez, pour ceux qui ont peut-être des télescopes, qui vont essayer de regarder l'univers, les étoiles, tout ça, d'autres qui vont à l'océan, ils vont regarder, d'autres du coucher de soleil, ils vont regarder, mais le soleil ne se couche pas parce que le soleil ne va pas se coucher. Donc, vous comprenez par là que quand vous allez observer la nature, vous voyez, vous saurez automatiquement que quand vous voyez les nuages, vous voyez la terre, vous voyez l'océan, vous voyez les arbres, le vent, les nuages, ainsi de suite, vous savez que ça ne vient pas, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une créature. C'est l'œuvre de quelqu'un qui est plus grand qu'une créature, de quelqu'un qui ne vit même pas dans le visible, qui n'est pas contenu dans le visible, qui est au-delà de l'équation métaphysique, qui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Donc, comment ça se produit? Parce que les mêmes scientifiques disent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Exactement comme si, à un moment donné, vous voyez une maison. Vous allez voir une maison. Vous voyez? Quand vous voyez une belle maison bien construite,
ou un immeuble ou bien une belle voiture. Vous allez admirer la voiture, soit vous allez admirer la maison. Mais vous savez néanmoins que cette maison n'a pas paru d'elle-même là. Il y a eu des constructeurs, il y a eu des gens qui ont pensé. Vous voyez, il y a des maçons, il y a des ouvriers. Donc, il y a des gens qui ont calculé, donc qui ont bâti soit sur du roc pour construire cette maison-là. Donc, derrière la maison, il y a une intelligence, il y a des équations pour que la maison, il y a une loi établie. Vous voyez? Donc, quand vous observez la création, vous observez la nature, vous voyez que tout est logique, tout est bien placé, bien disposé. Donc, même les scientifiques, dans les folies, ils essaient même de vous dire que le monde est venu, la création est venue par le Big Bang. Et que lors de l'explosion, quoique tout ça c'est faux, bon, que selon eux, que lors de l'explosion du Big Bang, si le Big Bang avait la manière dont ça a explosé, il y avait déjà des calculs, tout était bien calculé. Ça veut dire si à une fraction de seconde, ça avait un peu dévié, l'univers allait revenir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Big Crash, vous voyez. Parce que ils appellent ça l'expansion de l'univers quand ça explose et que l'univers est toujours en pleine expansion. Donc, c'est toujours en pleine expansion parce que on a maîtrisé cela. C'est un nombre de chocs, ça a été maîtrisé. Or, le hasard ne maîtrise pas quelque chose. Puisque pour maîtriser la chose, il faut avoir une intelligence. Il faut avoir la réflexion. Il faut avoir une volonté. Une volonté, il faut maîtriser les équations, les mathématiques, ainsi de suite, pour dire, tiens, tu vas faire exploser. On va dire péter une bombe à hydrogène dans tel endroit et le résultat que tu aimerais que cette bombe puisse avoir, ça va avoir le résultat estompé parce que tu as calculé la distance où tu te trouves et où la bombe doit exploser. Donc ça ne doit pas aller plus loin, parce que si ça va plus loin, tu as fait faux dans tes équations. Et les scientifiques maintenant disent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas accéder à la foi en l'oba. C'est pour ça qu'ils sont devenus fous. Est-ce que vous comprenez? Ils sont devenus fous. Parce qu'ils sont des fous. Ce sont des mongols, ce sont des têtards. Donc, et on nous dit ici, dans Origine, non, plutôt dans Proverbe chapitre 1, au verset 20, l'entité de sagesse. Donc, Mdima Mbiye. Mdima Dibiye. Dibiye, c'est le savoir, la sagesse. Donc, Mdima Dibiye. Crie hautement par le biais de la nature. Elle fait entendre sa voix par les manifestations des œuvres, de la manifestation de la volonté du Tété. Donc, ça veut dire que quand tu observes la nature, dans ta compréhension, parce que dans chaque homme, il y a ce qu'on appelle la loi naturelle. Et cette loi, c'est la loi morale, elle réside au fond de ton moi intérieur, dans ton esprit et ton âme. Et quand tu médites, ton esprit à l'intérieur saura que ce qu'il est en train de voir à travers les yeux de son âme et par l'intermédiaire des yeux physiques de ton corps, ton esprit et toi à l'intérieur de toi, tu sauras qu'il y a une force puissante qui a manifesté ceci. Que ça ne peut pas être un homme ordinaire, ça ne peut pas être une créature, donc forcément, certains vont dire que c'est une force gigantesque. D'autres vont dire c'est tout puissant, d'autres vont dire c'est un gros ordinateur avec qui est assis, un ordinateur on va dire comme artificiel ainsi de suite. Bref, peu importe le nom qu'ils vont nommer. Mais toujours est-il que pendant votre méditation, quand l'homme va voir, selon ce que Proverbe 1:20 dit, l'entité de sagesse sera en contact direct avec celui qui cherche, sera en contact avec l'esprit de ceux qui observent. Et quand tu observes, tu verras que tout ce qui t'entoure a été créé par, on ne va pas dire par un être supérieur, parce que l'homme n'est pas un être. Il est hors de ce qu'on a la condition de l'être. Or, ce sont les croyants de ce monde, de toute forme de religion, qui appellent Dieu un être supérieur, une divinité. Or, l'homme est hors de ça, il est au-delà de la divinité. Donc, vous comprenez que néanmoins, pendant votre méditation, même si vous ne croyez pas au départ, vous n'avez pas encore la foi. Vous voyez, vous ne croyez peut-être pas encore. Quand vous allez observer la création, vous allez observer le cœur de la création, la nature, le paysage, ainsi de suite, et que vous allez prolonger votre
conscience dans comment c'est arrivé. C'est arrivé comment? C'est à partir de là que vous vous intéressez maintenant, que vous allez vous intéresser maintenant à qui c'est, comment le monde est venu, comment la création est arrivée, comment avec un bon esprit. Avec un bon esprit. Pas un esprit de tromperie, pas un esprit pour pouvoir dire que bon, je veux connaître et puis je vais expliquer des choses pour montrer que je suis un savant. Non. Il faut être humble. Et quand vous devenez humble pour comprendre la création, il y a maintenant l'entité qui est en charge de ce qu'on appelle la simplicité, l'humble. Donc maintenant, et vous discernez maintenant. Et c'est là où l'entité du discernement va vous donner la capacité de savoir que personne, je dis bien, personne, que toutes choses ont été créées par l'Oba. Donc pendant votre méditation, vous allez comprendre qu'il y a une force qui est derrière. Mais vous ne localisez pas encore cette force. Vous n'avez pas encore le temps de nommer cette force, ni la forme de cette force. Vous voyez, d'autres vont dire que c'est une force cosmique qui a manifesté tout. Non, c'est faux. Au-delà de la force cosmique, il y a la force spirituelle. Parce que le spirituel est plus puissant que le cosmique. De ce qui est cosmique, le cosmos. Donc, et on vous dit ici, l'entité de sagesse crie hautement par le biais de la nature. Elle fait entendre, non, elle a fait retentir sa voix par la manifestation des œuvres de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et c'est là où la foi va venir. Ça veut dire que si vous êtes sérieux dans votre recherche, si vous cherchez réellement que à l'intérieur de vous, que qui a créé ce monde, comment le monde est venu, la création, vous allez savoir que forcément, certains vont dire qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde. D'autres vont dire, comme j'ai dit au départ, une force. Mais pendant votre méditation, si vous êtes humble, si vous voulez réellement connaître le Créateur et que vous n'avez pas encore la foi, voici maintenant ce que Essombé explique ici dans Essombé chapitre 4 au verset 23. Après leurs arrivées, virgule, Essombé et ses compagnons réunissent les autres initiés de Wassé Mutonga dans Afrique centrale et racontèrent tout ce que le verbe de l'Oba avait fait avec ceux, non plutôt avec eux, et comment il avait, réouvert la porte de la foi qui avait été fermée aux autres territoires de Wassé. Point. Ça veut dire quoi? La foi, il faut une porte. Dans chaque chose qui existe, il y a une porte derrière. Et derrière chaque porte, la porte va se manifester en tant qu'un mundi, un esprit. Donc, dans tout ce que vous faites, il y a une porte. Il y a une porte. Donc, on vous dit ici, la foi vient d'une porte. Comment ça vient d'une porte? Or, il faut qu'une porte s'ouvre. Et la porte, ça peut être quoi? Ça peut être votre état de conscience. Ça va être une émotion par rapport à votre méditation. Donc, et on sait que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est le verbe de l'Oba. Maintenant, la foi va venir comment? Est-ce que tu vas entendre la parole de l'Oba audiblement? Comme vous m'entendez là, au départ, non. Puisque l'Oba ne parle pas directement à un homme. Mais vous allez entendre cette foi comment? Il y a plusieurs formes de langage. Il y a le langage, on va dire, audible qu'on va entendre, il y a le langage télépathique, il y a le langage, il y a toutes sortes, langage corporel, ainsi de suite, et visuel, et intellectuel, moral, ainsi de suite. Donc, pendant votre méditation, et que vous êtes sincère, vous obéissez d'abord à la loi qui est établie dans votre âme, dans votre esprit, donc la loi morale, vous ne tuez pas, vous n'allez pas commettre l'adultère, vous n'allez pas tromper votre femme, vous n'allez pas tromper votre mari. Vous ne couchez pas, un homme ne couche pas avec un homme, une femme ne couche pas avec une femme, ça, ce sont des abominations, et vous n'allez pas tuer des gens, vous n'allez pas escroquer des gens. Ça veut dire que vous obéissez déjà à la loi qui a été établie par le verbe du Créateur à l'intérieur de vous, toutefois sans même connaître déjà le Créateur. C'est ce qu'on appelle maintenant, il y a la lutte entre la notion du bien et du mal. Maintenant, quand vous vous orientez dans ce bien-là et que vous cherchez à connaître qui a créé toute chose, c'est là où maintenant la porte va s'ouvrir. La porte, c'est l'émotion. C'est une grande émotion qui va s'ouvrir, donc une conscience. Une conscience d'apprendre. Donc, vous allez élargir votre conscience. Vous allez transcender votre conscience.
dans l'observation des ouvrages de la manifestation de la volonté de l'Opa. Donc, quand vous êtes sincère. Maintenant, la loi morale qui est à l'intérieur de vous va vous dire, maintenant, les hommes pourront venir vous parler que non, le Créateur s'appelle comme ça, et voici le Créateur, il est dans telle religion, il est dans telle croyance, il est dans telle spiritualité. Maintenant, vous raisonnez. Il y a, maintenant, vous avez cette loi morale, dans cette loi morale que tout homme a, il y a le raisonnement dedans, il y a la sagesse, il y a le discernement, il y a tout dedans. Ça veut dire quoi? Que logiquement, on ne va pas vous tromper. Logiquement. Si on vous dit que le Créateur, c'est un homme, il est venu sur la terre, il s'est fait fouetter par ses créatures, on l'a tué sur la croix, vous allez trouver que mais c'est pas logique. Quelqu'un qui est celui qui a créé toute chose par la manifestation de sa volonté, comment il va se faire fouetter par les hommes? Il va se faire fouetter comment? Donc vous voyez déjà, un, que c'est pas logique. Un Dieu qui va vous dire, allez massacrer les gens, tuer des gens, prenez les terres, il ne faut pas manger telle viande, ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas logique. Vous pensez que le Créateur a... Non, mais sérieux. C'est comme si vous allez vous adresser à une fourmilière. Vous avez créé une fourmilière avec plein de des milliards de fourmis. Et vous demandez à quelques fourmis. Bon, vous là, vous ne devez pas manger ça là que j'ai créé. Toi là, allez massacrer les autres fourmis. Mais vous pensez que vous avez quelque chose à faire? Que le Créateur... Non, mais sérieux. Non, mais attendez. Donc, la porte doit s'ouvrir. Et la porte s'ouvre parce que, premièrement, vous êtes en contact avec la loi morale qui est à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes en contact avec la loi morale qui est à l'intérieur de vous, vous êtes maintenant en contact avec les œuvres de la manifestation de la volonté de l'Oba, donc qui est le Créateur. Donc, c'est là où la porte de la foi s'ouvre. Et maintenant, par le biais de la nature, que ce soit les nuages, vous allez savoir qu'il y a une force derrière. Bon, qu'elle dit derrière, qui est au-delà. Et vous aurez l'impression que derrière les nuages, on vous observe. Je dis bien, vous aurez l'impression que derrière les nuages, lors de votre méditation, qu'il y a des forces, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, il y a déjà des entités derrière. Les entités derrière, qui s'adressent déjà à votre esprit. Maintenant, c'est en ce moment précis qu'il faut faire très attention. Laissez-vous guider par le verbe. Il faut être sérieux quand vous cherchez. C'est-à-dire que vous allez voir les nuages, et si vous vous amusez à donner des formes aux nuages, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de foi. Votre foi sera basée sur du mensonge. Si vous imaginez que celui qui vous observe aura telle voix, peut être comme ça là, vous êtes déjà dans le faux. Vous êtes déjà dans le faux. Donc, la porte... va s'ouvrir la porte de la foi qui avait été autrefois fermée dans les territoires de Ouassé. Donc, le verbe de l'Oba a créé toute chose. C'est-à-dire la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe a créé toute chose. Donc, que ce soit les arbres, la nature, la faune et la flore, ainsi de suite. Et quand vous allez observer ça, vous voyez la nature de l'Oba. Bon, vous voyez le verbe de l'Oba par la nature. Donc, c'est un langage, le fait de voir ces arbres, le fait d'entendre le vent, le fait de respirer l'oxygène, c'est déjà un langage. Et quand vous êtes en contact avec ce langage-là de l'observation, de la création, la porte va s'ouvrir si vous êtes sérieux. Et quand ça s'ouvre, c'est là où maintenant, on vous dit ici dans Esombé 55, versets 1 à 4. Mettre sa foi en l'Oba, virgule, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez l'univers, tout ça là, vous saurez automatiquement qu'il existe un autre monde par-delà l'univers. Pourquoi? Parce que vous êtes là, je suis devant vous, je suis physique. Vous êtes physique devant vous. Vous pouvez toucher votre corps. Là, vous êtes physique. Là, c'est le visible. Là, vous voyez. Maintenant, avant de parler, vous imaginez d'abord, il y a une parole audible à l'intérieur de vous. Il y a des pensées. Les pensées ne sont pas physiques. Vous voyez, c'est à l'intérieur de vous. Vous êtes en face de quelqu'un, vous pensez à quelque chose. La personne ne peut pas voir vos pensées. Ça, c'est un enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le visible... L'univers, les galaxies, ainsi de suite, qu'on voit à l'œil nu,
On va dire c'est physique, c'est visible. De même que votre corps est visible. Et maintenant, les pensées que vous avez, celui qui est en face ne pourra pas voir vos pensées. Donc, les pensées sont invisibles à ceux qui sont en face. C'est pour vous dire que derrière l'univers, derrière les multivers, derrière la création, il y a une autre forme d'intelligence. Vous voyez? De même que dans votre corps, il y a une intelligence qui va se manifester à l'intérieur de vous, qui se manifeste pour qu'on puisse entendre audiblement. Et c'est comme ça que la création. Donc, mettre sa foi en l'Oba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités visibles qu'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Maintenant, ceux qui ont une mauvaise foi, ils vont croire aux coutumes, ils vont croire à la polygamie, ils vont croire à la tromperie, à l'adultère, au meurtre, à l'escroquerie, à tous ces genres de choses, à toute forme de religion qui ne sert à rien. Vous voyez, c'est pas parce que dans une religion, il y a une multitude de personnes que forcément c'est vrai. Dans le spirituel, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et oui, c'est la qualité qui compte. Je répète encore, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de gens qui vont le suivre, il y a peut-être des milliers de personnes qui le suivent, que forcément il est dans la vérité. Eh oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez par là que la foi, c'est quoi? La foi vient de la parole du Créateur, c'est-à-dire de l'Oba. Donc, la foi, c'est quelque chose qui te parle. La foi, c'est un langage. C'est quelque chose qui vient à l'intérieur de toi. La foi, c'est un appel. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est un appel. C'est pour ça qu'il est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Cette phrase veut tout simplement dire, on a ouvert les portes pour donner la foi aux gens, mais peu de personnes ont la foi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. La foi, c'est un appel. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand tu entends et quand tu vois la création, tu as déjà la foi à la création que derrière, il y a une intelligence. Maintenant, cette force-là, donc, par le biais des entités, vont se manifester à toi. Voilà comment on se manifestait aux initiés autant avant que les Occidentaux ne ramènent les fausses Bibles là, les fausses Torahs, les fausses religions dites révélées. Vous voyez? Avant qu'ils ne ramènent toutes ces choses-là, les ancêtres initiés, en tout cas avant d'être initiés, les ancêtres, ils travaillaient beaucoup la loi morale qui était en eux. C'est en cela où il y avait certaines entités qui les apparaissaient directement parce qu'ils avaient déjà ouvert la porte de la conscience. Donc une entité les apparaissait directement et l'entité dit, n'aie pas peur. En gros, je viens parce que c'est à cause de toi que je viens. Parce que tu as ouvert cette porte-là de la foi. Maintenant, l'entité va se manifester à un ancêtre. En gros, la foi va prendre une image, sous forme d'image, sous forme de manifestation. C'est l'entité qui va se présenter sous la forme de la foi. Vous voyez? Et c'est là que vous voyez. Maintenant, d'autres, ils observent la nature et les entités vont parler à cette personne-là par le biais de la nature. Et c'est la foi. En gros, c'est quelque chose, c'est une semence. La foi, c'est une semence qui vient à l'intérieur de vous, qui va venir vous sémencer. Et vous devez, c'est-à-dire éclore à l'intérieur de vous, et maintenant produire des œuvres. C'est pour ça que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc la foi doit venir en vous, et elle va s'éclore, et elle va produire de bons fruits. Comment la foi va produire de bons fruits? Elle va produire des bons fruits à l'intérieur de vous. Les bons fruits, ce sont des œuvres. Avec la loi morale qui est à l'intérieur de vous. Avec votre libre arbitre. Vous travaillez cette foi. C'est pour ça que même les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que la foi, ça se travaille. La foi, ça se cultive. Il y en a qui ont une petite foi, d'autres une grande foi, ainsi de suite. La foi, ça se cultive. La foi peut s'étouffer. C'est une semence, la foi. Donc, puisque la parole de l'Oba, c'est une semence. C'est une forme de semence qui vient vous semencer. Dans la semence qui entre, c'est la foi. Qui entre. Si tu accueilles bien cela, tu peux, vous voyez,
tu produis de bons fruits, tu as beaucoup de fruits, donc la foi ne fait que se manifester à l'intérieur. Sans cela, où Esombé dit ici, dans Esombé 11, 21, cette foi que tu as eue par le verbe de l'Oba. Donc, ça dit que quand tu as déjà la foi, maintenant, à cette époque-ci, comment on fait pour avoir la foi? Vu qu'il y a beaucoup de ceux de pseudo-enseignants, ceux qui se disent enseignants, ceux qui se disent bishop, maréchal, apôtre, bref, il y a toute forme de religion, de spiritualité maintenant. Et beaucoup de personnes vont adhérer, ils vont aller là, ils vont dire, ah non, la vérité c'est ici. Dès qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, ils quittent, ils vont ailleurs, ainsi de suite. Bon, comment on reconnaît la foi? C'est en cela où l'Akisabé disait, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez pour savoir s'ils sont de l'ombre. Comment on examine? D'abord, il faut la logique. Il faut d'abord la logique. Il faut être logique. Il faut être logique. Est-ce que vous comprenez? Il faut être logique. Parce que quand un scientifique vient vous dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause, ça c'est logique. Et maintenant, le même scientifique va vous dire le monde est venu par le Big Bang. Vous voyez que ce n'est pas logique. Pourquoi ce n'est pas logique? Mais l'effet du Big Bang, où est la cause du Big Bang? Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Vu qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Vous voyez maintenant qu'il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Donc, si on vient vous dire que vient dans telle religion, dans cette religion, ils vont adorer là-bas un homme comme si c'était Dieu lui-même, ce n'est pas logique. Dans telle religion, on vous dit que Dieu est descendu sur terre, il a pris l'apparence d'un homme, il est mort sur la croix, il a versé son sang et son sang purifie les gens. Et il remonte au ciel, il s'assoit. Donc, depuis quand Dieu doit s'asseoir? Depuis quand le Créateur qui a créé l'univers va s'asseoir? Mais il va s'asseoir pourquoi? Donc, le fait qu'on vous dise qu'il vient, il va s'asseoir. Et ensuite, maintenant, il y a des adorateurs, des mongols qui vont dire le sang de Jésus, ils vont invoquer le sang de ce soi-disant Dieu. Alors que les mêmes Écritures disent, dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, comment se fait-il que ceux qui se disent chrétiens vont encore invoquer le sang de ce soi-disant Jésus qui est dans le ciel selon eux? Donc, ça dit que le sang de Jésus est dans le ciel. Donc, il y a déjà une contradiction. Soit le sang ne peut hériter le royaume de Dieu, mais c'est le sang de Jésus qui hérite le royaume de Dieu. Donc, vous voyez que ce n'est pas logique. Maintenant, on va vous dire que tel créateur est venu, il avait une sœur, il s'est marié, on l'a démembré, il est Osiris, ainsi de suite. Vous voyez que ça ne tient pas. Un coup, on va vous dire, le créateur, c'est une déesse. Elle est venue, elle a créé ça avec l'union de ça. L'autre a craché, le monde est venu, l'autre c'était le serpent. Vous voyez que ce n'est pas logique. Dans toute forme de religion qui existe dans le monde, il y a des anomalies, il y a des confusions, parce que ce sont des faux, ce sont des choses inventées que l'homme a inventées. Et on voit bien le fruit de toutes ces religions. C'est quoi? C'est la barbarie, l'intolérance, la peur, la confusion, le mensonge, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Dans toutes ces religions, c'est ça. Tu n'es pas d'accord, on te tue. Tu n'es pas d'accord, on dit que tu es fou. Dans toutes ces religions qui existent, vous voyez que si vous avez, méditez réellement sur la foi, c'est-à-dire avant la foi, si vous méditez réellement sur la logique selon la loi morale qui est à l'intérieur de vous, vous allez voir. Vous-même, vous allez examiner. Vous allez examiner. Puisqu'on dit, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Donc, c'est pour ça qu'il dit alors, examinez. Examinez ce que Zulula dit et ce que les autres religions disent. Ce que les soi-disant pseudo-enseignants disent. Parce que ce que les autres soi-disant enseignants vont vous dire, c'est quoi? C'est que Dieu est descendu sur terre. Dieu a dormi. Dieu s'est fait chair. Dieu a mangé. Dieu était fatigué. Dieu a pleuré. Dieu a oublié. Dieu s'est trompé.
Et même dans ce que j'appelle l'Ancien Testament, on veut dire qu'il y avait Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, est descendu dans le livre de. Dans Genèse 18, pour voir. Parce qu'il y avait des habitants qui criaient. Il y avait des voix accusatrices dans la ville dans la cité de Sodome et Gomorrhe. Et on vous dit que ça allait jusqu'au ciel. Donc les voix sont montées, ça a traversé le firmament, ça a traversé la stratosphère, monosphère, zoosphère, ainsi de suite. Ça a traversé l'univers. Ah, ça a traversé comment? Oh, la voix là, c'est fort, hein? Alors que quand tu es dans l'avion, les gens vont crier là où tu ne vas jamais entendre les voix. Mais la voix, comment on vous dit que ça monte jusqu'au ciel, ça monte à Dieu? Donc la voix devient spirituelle, ça va à Dieu. Bon, admettons. Dans Genèse 18, on vous dit que Dieu est descendu. Il dit à Abraham qu'il est descendu pour voir que si c'est vrai, ce que le cri des habitants qui vient à moi, il va vérifier si c'est vrai. Et si c'est vrai, il le saura. Mais logique, non, sérieux. Arrêtons un peu arrêtez un peu de jouer la poursuite. La poursuite, c'est quand on était petit, on jouait la poursuite, et tu te caches, on te. Voilà, arrêtez un peu, arrêtez sérieux. Comment vous dites que le Créateur va descendre pour vérifier une information? Comment on vous dit que le Créateur, il met un soi-disant homme qu'on va appeler Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham l'aime? Il dit, donne-moi ton fils unique. Alors que c'est un mensonge. Depuis quand Isaac était le fils unique de Dieu, d'Abraham? Puisque Isaac, selon ce que j'appelle la Torah, Abraham avait un premier fils. Ce n'était pas Isaac, c'était Ismaël. Bon, laissons même ça. On vous dit que Dieu met Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham va l'aimer. Et quand Abraham veut tuer son fils, Dieu dit non. Il envoie l'ange, il dit non, arrête. Je sais maintenant que tu m'aimes. Donc Dieu ne pouvait pas savoir ça avant de le mettre en sacrifice, avant de le mettre à l'épreuve. Donc vous voyez que voilà le Dieu qu'on vous montre, comment ce Dieu est limité. Et la logique que vous avez à l'intérieur de vous, utilisez cette logique-là pour discerner, pour ne pas mettre votre foi dans du n'importe quoi. Et on veut vous faire peur que si vous n'adhérez pas, vous allez aller en enfer. Mais c'est quoi l'enfer? Non, vous pensez un seul instant que le Créateur va créer ce qu'on appelle l'enfer, un lac de feu, ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Dans d'autres, ils disent que là-bas, c'est un homme qui va aller en chair dans l'enfer. Sa peau va brûler, va calciner, après ça va se renouveler, ça rebrûle au fur et à mesure pendant des siècles. Donc, parce que tu avais faim, tu allais voler quelque part, ou bien tu as couché avec une femme, tu étais jeune. Tu as couché avec une femme, tu avais une copine, tu as couché avec elle, et ça y est, tu meurs. Bon, tu vas aller brûler en enfer. Juste pour ça. Tu vas aller brûler en enfer. Juste pour ça. Juste parce que tu as dit non. Juste parce que ta logique ne te permet pas d'adhérer à telle religion, tu vas aller brûler en enfer. Mais au nom de quoi? Mais sérieux, vous êtes des hommes ou vous êtes des animaux? Mais réfléchissez. Ça me rappelle encore comme un film qui était sorti dans les temps d'autrefois. Bon, un film qui était sorti à l'époque, c'était, je crois, c'était, je crois, Jason et les Argonautes. Bon, soit c'est Jason. Oui, c'était Le Choc des Titans, je crois. Un film, un péplum, mais à l'époque, il y avait un vieux là qui était en prison, qui était. On l'avait jeté, pour le punir, on l'avait jeté dans une île. Et là-bas, là, il pouvait manger, il y avait des fruits là-bas. Et à chaque fois qu'il avait beaucoup de fruits, il était aveugle et il ne pouvait pas vraiment manger parce qu'il y avait des espèces de créatures comme des démons qui venaient manger son repas à chaque fois. Donc, quand les soldats sont passés par là, ce vieux-là a dit quelque chose. Quand j'avais vu ce film, j'ai rigolé, rigolé. En fait, ça m'a. Ce vieux-là, il s'adressait à Zeus, à ce démon de Zeus. Il dit à Zeus, mais attends. Que lui, il a péché une seule fois. Et je le punis tous les jours. Donc, vous voyez que c'est pas logique. Donc, c'est là où vous devez être logique. Il faut être logique. Il ne faut pas croire à n'importe quoi. Ce qu'on appelle les catholiques, la plupart, ils vont vous dire, quand ils vont prier, ils vont dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu. Donc, Dieu a une maman. Les dieux a une maman. Mère de Dieu.
Non, mais quand ils prient eux-mêmes, ils ne sentent pas que ce n'est pas logique ce qu'ils disent. Ils vont dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais dans ce cas, pourquoi prier Dieu? Prier Marie directement, vu que Marie est supérieure à Dieu, vu que c'est sa mère. Et on dit au nom de ton père et ta mère. Et ta mère, sa mère, prier Marie directement. Mais pourquoi vous priez encore Dieu? C'est pas, dans ce cas, ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. Mais si Marie est la mère de Dieu, c'est Marie qui a accouché Dieu. Donc si Marie accouche Dieu, Marie était où avant? Avant que Dieu ne soit. Donc ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, ce n'est pas Dieu qui a créé la création, c'est Marie. Vu que Marie était déjà quelque part avant que son fils Dieu arrive. Donc vous voyez que ce n'est pas logique. Donc toutes ces religions qui existent là, forme de spiritualité, c'est du n'importe quoi. Vous êtes emprisonné dans un sommeil. C'est comme la matrix. Hein. Donc on a voilé votre intelligence pour que vous ne puissiez pas réfléchir. Est-ce que vous comprenez? On a voilé votre intelligence pour que vous ne voyez pas ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. Eh oui, vous ne voyez plus ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. Vous ne voyez pas ce qui est logique et ce qui n'est pas logique. C'est tout. Donc, ils vont inventer des formes de spiritualité. Dieu m'a dit, la Bible m'a dit, Dieu a envoyé tes prophètes. Dieu a envoyé qui? Il a envoyé qui? Tous ces pseudo-enseignants religion, on voit bien des contradictions, des erreurs dans tous les livres. Je dis bien, tous les livres qui existent de religieux, il y a des mensonges, ce sont des falsifications, des erreurs, des contradictions. On voit bien le fruit. Toutes ces religions, c'est quoi? C'est que la haine. Depuis quand Dieu, le soi-disant, depuis quand le Créateur va obliger une créature de croire en lui? Non, mais attendez, sérieux. Depuis quand on va t'obliger à croire au Créateur? Depuis quand? Où est l'amour dedans? Où est le libre-arbitre? Mais que la logique veut que le Créateur crée le libre-arbitre. Mais s'il manifeste le libre-arbitre, pourquoi il va inspirer une autre personne de venir vous massacrer, de venir vous torturer pour que vous acceptiez son message à lui? Mais vous voyez que ce n'est pas logique. Il s'adresse directement. Pourquoi il ne s'adresse pas directement à votre conscience et vous acceptez? Comment on va forcer quelqu'un à aimer le Créateur? Mais tu vas aller prier le Créateur parce qu'on t'a forcé. Dans telle religion, on te force, on te fouette, on te menace. Tu vas aller te prosterner, prier. Mais tu vois même que ta prière, même le Créateur là, lui-même, il doit se dire que celui qui est en train de prier à ce Créateur, à lui-même, il voit que cette prière-là, n'est pas, elle est fausse. Vu que ce n'est pas la peur qui prie. Donc, c'est que le mensonge. C'est que le mensonge. C'est comme quelqu'un qui va forcer une femme qui ne l'aime pas, qui ne veut même pas apprendre à le connaître, de se marier. On t'oblige de te marier avec une femme. Tu vas attraper une femme, tu dis, allez, marie-toi avec moi. Allez, boum, on te fouette, tu fouettes la femme, tu fouettes. Tu dis, allez, marie-toi avec toi. Allez, aime-moi. Tu forces quelqu'un à t'aimer. De venir, tu dis, oh chérie, je t'aime. Alors que toi-même, tu sais qu'elle dit je t'aime parce qu'elle a peur. Mais où est la logique dedans? Où est la logique? Quand vous observez la création, vous observez, il y a le jour, la nuit, vous voyez que c'est l'harmonie. Il n'y a pas la peur dans la nature. Il n'y a pas la peur dans la nature. C'est l'homme qui s'invente du n'importe quoi. C'est l'homme qui s'invente des hérésies. Je répète ici en direct. Aucune religion dans le monde entier, aucune forme de spiritualité n'est dans le vrai. À part celui qui est en face de vous. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce que nous avons vu, de ce qu'on a pénétré en profondeur. Est-ce que vous comprenez? Regardez mes propos. Bible. Et vous allez dans toute forme de religion. Vous prenez les livres, les supports, vous comparez avec Bible, vous allez trouver qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je dis bien, il n'y a pas match. Et oui, l'Oba n'intervient pas directement dans la création. Alors que les autres fausses religions, il est partout. Il descend, il vient parler à une femme, il parle à un homme, il parle à
Dieu dort, Dieu l'oublie, Dieu se fâche, il est jaloux. Dans sa loi, il dit ne soyez pas jaloux. Mais lui, il est jaloux. On dit qu'il est un Dieu jaloux. Mais vous savez c'est quoi être jaloux? Quand tu es jaloux de quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas la chose. La jalousie existe. La jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est la convoitise. La jalousie, c'est la convoitise. Donc, on vous montre que votre Dieu est jaloux. Il convoite. Il est jaloux. Il dit allez tuer, allez massacrer. Les gens vont massacrer au nom d'un Dieu inventé, au nom d'une religion. Ils vont forcer les gens. Ils vont, après d'autres formes de religion, ils vont prôner la tolérance. Ils vont dire non, les hommes avec hommes, ils peuvent se marier ensemble. Que non, c'était au Moyen-Âge, les temps ont changé. Quels temps ont changé? Donc, c'est votre Dieu qui doit s'adapter à vous. Ah, d'accord. Donc, si votre Dieu avait dit, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, que un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination, et maintenant, les soi-disant messagers de Dieu disent, non, c'était avant, c'était écrit comme ça, c'était à l'époque, c'est démodé, le temps a changé. Ah, donc votre Dieu ne savait pas que le temps serait arrivé. Donc, il ne savait pas, il ne maîtrisait pas le temps et l'espace. Donc, sa loi était uniquement pour un temps. Donc, vous voyez que ce n'est pas logique, L'homme est dans un profond sommeil, il est voilé, il faut qu'il se réveille, il n'est pas logique. L'homme n'est pas logique. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne sont pas logiques. Les gens ne sont pas logiques. Donc, et on vous dit ici, dans Esombé 55, Esombé 55, versets 1 à 4, mettre sa foi en l'aube, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être sûr de ce qu'on espère. Il y a des tétards, des mongols qui vont vous dire que l'oba ne veut rien dire. D'autres vont dire que l'oba, ça veut dire le ciel. D'autres vont dire l'oba, c'est l'idole. D'autres vont... Bref, chacun va essayer de donner son argument, va essayer Mais pendant ce temps, il dit ça, mais il ne vit pas une spiritualité. Il est toujours là, il tourne en rond, il vieillit, après il va mourir. On va l'enterrer. Allez, suivant. Voilà, l'oba n'est pas une créature. L'oba ne veut pas dire le ciel. Le ciel veut dire moine ou dibobé. L'oba est au-delà de ce qu'on nomme Dieu, de ce qu'on nomme divinité, de tout. Et ce n'est pas les missionnaires qui ont inventé le nom de l'oba. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes il n'y a que des tétards. Ils vous disent que les missionnaires sont arrivés en Afrique. Ils ont enlevé le nom de Zambé. Et ils ont remplacé par l'oba. Mais les bêtises, les boules ou tout ça, là, oui, les Yaoundé, ils disent pas Zambé. Donc ils enlèvent que Zambé chez les doigts là. Et ils laissent ça chez les boules là-bas là. Et ils laissent ça là-bas au Congo. Alors qu'il y a des missionnaires au Congo. Mais vous voyez que vous n'êtes même pas logique. Donc, mettre sa foi en l'oba, c'est être sûr de ce qu'on espère. Et ce qu'on espère, c'est quoi? Parce que la plupart des gens vont vous dire, oh, le paradis n'existe pas, que le paradis c'est sur terre, l'enfer c'est sur terre. Ce qu'on appelle le paradis existe. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'homme décrit. Avec ce que les témoins de Jéhovah, ces adorateurs de démons de Jéhovah décident. Puisque les témoins de Jéhovah, ils dessinent le paradis comment? Vous voyez, des gens, ils ont des habits, ils ont toujours une ceinture, ils ont les chaussures en cuir. Mais au paradis, on voit les chaussures en cuir. Mais bon. Ils dessinent Dieu. C'est un barbu, là, les cheveux blancs, c'est un vieux, c'est un vieillard qui est assis. Voilà, Jéhovah. Non, allez là-bas, là, je veux pas ces gens d'hérésie, ces démons-là. Donc, voilà, les gens, maintenant, ils vont vous définir le paradis. Qu'au paradis, les gens vont manger, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont avoir du plaisir, tout ça. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ce sont des inventions. Je dis bien, ce sont des inventions. Ce sont des inventions de vos propres natures charnelles. Des hérésies. Ce sont des contes de fées. Pourquoi on dit les contes de fées?
Ce sont les histoires, les contes, ce sont des histoires de fées. Et les fées, ce sont des démons. Les fées, ce sont des démons. Donc, ce sont les démons qui racontent tout ça. Ce sont des contes de fées. Donc, quand on dit les contes de fées, ce sont les contes des démons. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'état du monde. Voilà l'état du monde. Les gens ne sont pas logiques. La logique a disparu. On a beau dire à quelqu'un, on peut prendre ça là. On dit ça c'est noir. Vous voyez ça c'est noir. Il va dire, c'est en face de lui. On vient lui dire non c'est blanc, c'est blanc. Il dit oh bon, même si c'est noir, ça compte pas. Et pourtant c'est noir. Ils vont venir dire, si Jésus est blanc ou noir, ça n'a aucune importance. Ah, que le Christ, s'il est noir, s'il est blanc, ça n'a aucune importance. Ah, ça n'a aucune importance. Waouh. Donc, quand le vrai Christ, qui est Dieu qui savait, vient sur terre, il a une couleur. Vous pensez qu'il a choisi d'avoir cette couleur pour venir sur terre? Non, je répète encore. Vous pensez que le vrai Christ, qui est Dieu qui savait, parce qu'on a, il y a beaucoup qui ont essayé d'usurper ce titre-là, les Jackie, oui. Dans l'histoire, on dit Jackie la Jambé, non, non. D'autres vont dire, Jésus, ainsi de suite, tous formes de noms. Vous pensez que le Christ, le vrai Christ, en tout cas Dieu qui savait, quand il vient sur terre, vous pensez qu'il décide d'être noir sur la terre? Il ne décide pas d'être noir sur la terre. Il est déjà. Il est déjà. Vous pensez que quand le soleil vous fait une journée, ou bien la nuit vous passez où il y a la lumière, l'ombre, votre ombre est quoi? Votre ombre, elle est noire. Vous pensez que votre ombre décide qu'elle va devenir noire? Non. C'est le résultat de la lumière et le pacte qui est votre corps qui donne ce résultat-là. Parce que c'est ça la logique. Donc, il n'y a que des tétards qui vont venir dire que l'ombre soit jaune, noire ou pas, ça n'a aucune importance. Mais ça a une importance parce que le reflet du soleil est sur votre corps qui est comme un opaque, l'opaque, qui donne l'ombre noire. C'est quelque chose qui a été déjà calculé, qui a été déjà établi. Ce sont des codes, ce sont des règles. Et toi, un mongol vient, un arriviste, non, ça n'a aucune importance. Mais t'es qui pour dire ça n'a aucune importance? Mais tu es qui dans la création? Tu es qui dans cette réalité pour dire ça n'a aucune importance? Pour remettre en question l'œuvre de la manifestation de la volonté de l'Oba. Mais tu es qui? Sérieux, tu es qui? Tu n'es rien du tout. Est-ce que tu sais ça? Toi qui penses comme ça, tu n'es rien. Donc, la foi, c'est quoi? C'est une semence. Et la semence, c'est le verbe. Ça vient en toi, tu l'acceptes, ça va t'assemencer, ça va éclore à l'intérieur de toi. Et tu travailles ta foi. Et maintenant, la foi, c'est ce qu'on dit doubé en langue douala. Parce que la langue douala, la révélation est venue dans cette langue. La parole s'est manifestée dans cette langue, tout sur le douala. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une question de tribalisme ou quoi que ce soit. C'est comme ça. L'oxygène que vous respirez même, c'est le doigt là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, la foi dans la langue douala veut dire doubé. Doubé, ça veut dire croire. Croire maintenant, adhérer, accepter. Donc, quand tu as la foi, ça veut dire que tu crois. Pas croire comme les démons, comme on dit dans Jacques 2:19. Dans les Bibles classiques, tu crois qu'il existe un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais eux, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi et les œuvres, si tu n'as pas la foi, elle est vaine. Donc, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, le démon sait que l'Oba est au-delà de tout, mais le démon n'a pas la foi. Puisque la foi manifeste l'espérance. La foi manifeste. Vous voyez, quand vous avez la foi, ça va éclore. Et maintenant, la foi va manifester une autre émotion dans la vérité. Cette émotion-là, pas des sensations, mais l'émotion-là qui va s'éclore, ça va être l'espérance. La foi manifeste l'espérance. Ça va manifester l'espérance en qui? Ça va manifester l'espérance par le même canal de votre foi, donc par la parole de celui dont tu as cru. Donc tu vas espérer à celui qui est l'auteur de la foi. C'est ça maintenant qu'on appelle l'espérance. Et tu vas espérer quoi? Dans l'espérance, il y a maintenant la confiance. Parce que quand tu espères, il y a la confiance. Et pour qu'il y ait la confiance, vous avez déjà, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Donc, vous avez déjà, il y a déjà eu un lien entre vous. Il y a déjà eu un lien entre celui qui manifeste la semence et celui qui accueille la semence. Et la semence se développe. Donc, et c'est ce lien-là maintenant entre le Créateur et toi. Bon, entre le Créateur et la créature, hein, et le visible. Donc, entre le verbe du Créateur et le visible, c'est la semence. Ça vient en vous et ça se manifeste dans le visible. Ça s'appelle la foi. Et quand cette foi, tu la travailles, ça manifeste les œuvres. Donc, ça réveille la loi morale qui est à l'intérieur de vous. Et maintenant, vous êtes une bonne personne. Et maintenant, quand vous devenez une bonne personne, cette foi-là qui est à l'intérieur de vous va vous parler. Parce que cette foi-là ne vient pas de vous. Cette foi vient de la semence du Verbe, du Créateur. Donc, cette foi-là, maintenant, qui se développe à l'intérieur de vous, va vous donner l'espérance. Parce que dans la foi, il y a un code. Dans la foi, il y a un schéma. Dans la foi, ce sont des équations. Donc, dans la foi, il y a des portes. Il y a des branches dans la foi. Il y a des étapes dans la foi. Donc, la foi, d'abord, on te met en contact avec que le Créateur est là, celui qui a créé toute chose. Ça, c'est la base de la foi. Maintenant, tu travailles cette foi. Ça manifeste les bonnes œuvres. Et dans cette foi, ça te donne l'espérance. Donc, ça ouvre une autre porte à l'espérance de la vérité, l'amour véritable. Donc, et dans cette foi-là, qui est en même temps la semence, qui est le Verbe, va vous révéler dans votre cheminement, dans votre marche, que le Créateur manifeste la bonté. Que le Créateur n'est pas ce qu'on pense de lui. Bon, on pense de lui, de ce que les gens disent. Qu'il est mauvais, qu'il laisse l'injustice, il prend la polygamie, il force les gens d'adhérer à lui, ainsi de suite. La foi qui est là, c'est la semence qui te guide. Va t'éclairer. Et maintenant, tu sauras que le Créateur, on ne va même pas dire bon, il est au-delà de la bonté. Et maintenant, quand tu vas voir, quand tu sauras, c'est là maintenant que tu vas adhérer. Tu vas voir, il y a l'espoir, il y a maintenant ce qu'on appelle, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Bon, les esprits là viennent un peu essayer de me, pour que je puisse pas, pas ça les élève là, ces esprits là. Voilà, l'espérance. La foi va manifester l'espérance. Et maintenant, dans ce qu'on appelle l'espérance, dans espérance, il y a ce qu'on appelle espère. Vous voyez? Tu espères à quelque chose. Donc, espérer, c'est quoi? Tu veux quelque chose. Parce que c'est cette foi-là qui va te dire que si tu fais ça, tu as tel truc, on va te donner ça. Maintenant, tu espères qu'on te donne cette chose-là. Ça s'appelle l'espérance. Et maintenant, dans cette espérance, il y a maintenant, il y a l'amour. Dans l'espérance, il y a la confiance. Parce que tu as confiance en cette semence. La semence te dit, fais confiance à celui qui m'a manifesté. Donc, tu as maintenant la confiance. C'est pour ça qu'il est dit dans Esombé 55, versets 1 à 4. Mettre sa foi en l'Oba, vous voyez, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être sûr de ce qu'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas.
C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Voyez? Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Donc, si tu n'as pas la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, tu ne peux pas être agréable à l'Oba. Ce n'est pas possible. Tu n'as qu'à donner tes biens, tu n'as qu'à mettre ton corps dans le feu. Tu ne peux pas. Parce que le but de cette foi, la finalité de cette foi, quand ça arrive à la maturité, ça devient l'amour. C'est l'amour. L'amour pour ton créateur. L'amour pour l'Oba. L'amour véritable. C'est pour ça que même dans les Bibles actuelles classiques, dans Exode 20, il est dit, aime le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta volonté, de tout. C'est ça la base, l'amour. Parce que la création, c'est l'amour. L'oxygène, c'est l'amour. Mais est-ce que quand tu respires, ça te fait mal dans les poumons? C'est l'amour. Parce que il y a l'équation, tout a été calculé que l'oxygène que tu respires, ça passe par tes poumons, ça passe déjà par tes narines, tout ça là. Ça puisse être en accord. C'est par amour. Quand un homme et une femme, ils sont mariés, ils veulent avoir un enfant. Écoutez attentivement, ils veulent avoir un enfant. Ils vont avoir des rapports sexuels, non? Et pendant l'acte sexuel, il se passe quoi? Au moment où la semence veut sortir, ce n'est pas le plaisir que l'homme va ressentir, la femme ressent. Le plaisir, là, c'est quoi? Donc, c'est pour que l'être qui va venir, l'être là va venir par un plaisir. C'est pas plaisir. Dans le plaisir, il y a l'amour là-dedans. Même un violeur, celui qui viole. Celui qui est en train de violer, pendant qu'il est en train de violer, que sa semence sort, il ressent du plaisir. Donc quand vous avez des enfants, c'est par amour. C'est le plaisir qui donne naissance à cet enfant. Vos deux plaisirs fusionnés avec votre corps, le plaisir intense là. C'est ça l'amour. Et maintenant, quand l'enfant sort, il faut l'éduquer maintenant. Il faut éduquer l'enfant. Il faut initier les enfants. C'est comme la foi. La foi vient par amour. Parce que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, permet que son verbe se manifeste en tant que semence qui, dans le visible, on appelle ça la foi. Donc, ça entre, c'est une semence et c'est par amour pour qu'une nouvelle lettre puisse apparaître. Et cette nouvelle lettre, c'est qui? C'est vous. Nouvelle naissance. Vous devenez un enfant. C'est ce qu'on appelle maintenant enfant de l'Oba. Donc, c'est ça que Essombé dit dans Essombé 44, versets 3 à 5. Le but de cette mise en garde, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Une foi sans mensonge. Une foi sans mensonge. Si tu dis que tu as la foi en l'Oba et tes actes prouve le contraire. Mais ta foi, elle est basée sur du mensonge. C'est-à-dire que dans la semence que tu as reçue, tu as rajouté autre chose là-dedans. Donc, l'être qui doit sortir ne peut, est encore à l'intérieur, ne peut pas éclore. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Dans de vains discours. Donc, quand tu t'égares de la foi, tu penses que tu deviens logique et pourtant tu deviens illogique. Tu penses que tu raisonnes et pourtant l'entité de raison s'est éloignée de toi. Et tu commences maintenant à accuser. Tu commences à avoir des comportements bizarres, à essayer de te justifier. Essayer de justifier ton comportement bizarre.
Parce que tu n'es plus dans l'amour. Tu n'es pas dans la foi. Tu es dans les sensations. Tu es dans les sensations. C'est ce que toutes les religions font. Ils sont dans des sensations. Ils voient une croix, ils voient ceci, cela. Oh, ils se mettent à crier, à tourner dessus. Ça, c'est des sensations. Quiconque s'étant détourné de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être enseignants de la parole divine. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils affirment. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait un naufrage par rapport à la foi. Et ont fait un naufrage par rapport à la foi. Et Sombère, chapitre 45, versets 12 à 14, il est dit, « Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé de notre foi. » Et on vous dit ici, maintenant, quand tu as la foi en tout ça, quand tu as la foi en tout, donc en loba, sa parole, maintenant, quand vous dit, le final, c'est quoi? La finalité, c'est l'amour de l'Oba. Maintenant, comment tu vas expérimenter cet amour? Puisque l'amour de l'Oba, elle est vivante. Cet amour-là est vivant plutôt. L'amour, c'est vivant. Ce n'est pas une sensation. L'amour que l'Oba manifeste par son verbe, c'est vivant. Hein? Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose... Tu ressens, après ça s'éteint, ça passe, ça disparaît, non? Ce n'est pas une notion. Ce n'est pas un sentiment. L'amour de l'Oba, ce n'est pas un sentiment. C'est quelque chose de réel. Quelque chose de tangible. Quelque chose qui a une conscience. Maintenant, on vous dit, quand tu arrives à cet amour, l'amour de l'Oba maintenant va prendre une forme. Est-ce que vous comprenez? Quand vous atteignez pas la foi des œuvres, pas le bon comportement. Le final, c'est quoi? La finalité, c'est l'amour. Et maintenant, cet amour-là, vu que vous ne pouvez pas concevoir l'amour directement de l'Oba, c'est très grand. Donc, l'amour, maintenant, va se manifester, va prendre une forme. Et maintenant, l'amour va prendre une forme. Et cette forme se manifeste en quoi? En qui? Comment? Et on vous dit ici, et Sombère 45, 12 à 14. Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé de notre foi. Dans cet amour prend une forme. Et cette forme, c'est qui? C'est Dieu qui savait. C'est Dieu qui savait. Cet amour, c'est Dieu qui savait. Est venu jadis en tant qu'homme du visible et a été révélé juste par le Mundi et contemplé par les entités, mort physiquement sur le poteau et non sur la croix, sur le poteau, par la main, par les mains des blancs et des sangs mêlés. Plus tard, élevé dans la gloire. Ça veut dire quoi? Dieu qui savait est la manifestation de l'amour de l'Oba. Boussi est la manifestation de l'amour de l'Oba. Tous les prophètes initiés, je dis bien tous les prophètes dans l'Afrique ancestrale, les prophètes, ceux qui marchaient sur le verbe, étaient aussi des manifestations de l'amour de l'Oba. C'était des manifestations. Est-ce que vous comprenez? C'était des manifestations. De même qu'une maman est la manifestation de l'amour pour son enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, et Sombère 46 au verset 1. Mais le Mundi déclare clairement que, virgule, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a virgule. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher
à des esprits séducteurs et d'égarement. Donc, on te séduit. Il y a des esprits séducteurs. Maintenant, il y a des esprits d'égarement. C'est-à-dire, on peut te séduire. Et après, tu n'es pas égaré. Eh oui. On te séduit, c'est-à-dire que tu adhères, tu acceptes déjà. Maintenant, l'égarement, c'est quoi? On t'enlève du chemin, on t'égare. Et tu restes là, tu n'as plus de repère. Tu te mets à suivre. C'est pour ça qu'on dit les esprits de séducteurs et d'égarement à des enseignements inspirés par des démons religieux. Les démons religieux, c'est eux maintenant qui opèrent. Donc, quand vous voyez ce sorcier-là, dont on va appeler le pape, qui va maintenant prôner, selon les dires, qu'il faut la tolérance entre mariage homme-homme, tout ça là, que c'est les enfants de Dieu, ça, ce sont des esprits d'égarement, de confusion. Ce sont les esprits d'égarement et de confusion. Il n'y a pas de compromission pour des abominations. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin, on n'a pas eu besoin, l'homme noir dans l'Afrique ancestrale n'a pas eu besoin des fausses bibles, des fausses religions dites révélées. Parce qu'eux vont dire non, c'est eux qui ont écrit les bibles, tout ça là, donc c'est eux qui ont marqué tout ce qui est dans les bibles, les lois, les interdictions. L'homme noir n'avait pas besoin de tous ces bibles, de tous ces croyances-là pour connaître la loi. Et oui, avant que les missionnaires n'arrivent, avant qu'il y ait eu même hybridation, avant même le premier contact de l'homme noir et les autres peuples, l'homme noir connaissait déjà la loi de la circoncision. Il connaissait l'interdiction qu'un homme couche avec un homme, qu'une femme aille avec une femme. Il connaissait la loi, tu ne tueras point. Il connaissait tout ça. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas celui qu'on appelle Moïse qui a porté la loi. Ça, c'est faux. Avant Moïse, il y avait la loi. Moïse a trouvé ça. Moïse a trouvé la loi. Moïse avait trouvé la loi. Vu que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Moïse a tué un Égyptien. Et on a su cela. Et il a eu peur. Et il a pris la fuite. Pourquoi Moïse a pris la fuite? Parce qu'il y avait la loi, selon les Bibles actuelles classiques, logique. Tu es un Égyptien. Donc c'était une loi que tu ne dois pas tuer. Un Égyptien. Donc cette loi existait déjà. Quand le soi-disant Dieu dans les Bibles actuelles classiques a dit à Caïn, quand Caïn, selon la Bible actuelle classique, a tué son frère Abel, Dieu lui a dit quoi? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Donc ça veut dire que c'était une interdiction. L'homme ne doit pas tuer un homme. Donc, avant que les missionnaires n'arrivent avec les fausses bibles, là, les fausses religions, les faux trucs, dites religions, dites révélées, l'homme noir savait déjà que la polygamie n'était pas bon. N'écoutez pas ces panafricanistes, ces gens qui se disent les bonbons, ils vont vous dire non, en Afrique ça a toujours été comme ça, la polygamie, on a trouvé ça, vous avez trouvé ça où? Autant des vrais ancêtres qui ont connu le véritable. La vraie parole qui avait la foi en l'Oba. Et ils savaient que la polygamie n'était pas bien. Ils le savaient. Ils connaissaient la marque de la circoncision. Ils savaient tout ça. Donc, quand vous n'avez plus cette foi-là alimentée par le verbe de l'Oba, vous avez de mauvais comportements. C'est-à-dire que si vous avez des enfants avec une femme et que vous êtes peut-être avec la femme, vous abandonnez ces enfants, vous allez ailleurs, vous ne savez même pas ce que ça veut dire spirituellement. Spirituellement, ça veut dire que il y a des œuvres que vous avez renoncées. Vous avez renoncé à certaines œuvres. Parce que le rôle d'un père ou d'une mère, c'est quoi? C'est d'éduquer ses enfants. Quand ceux-là acceptent le verbe, c'est de les initier pour qu'ils atteignent aussi une sorte de maturité, de la conscience du bien et du mal. Mais si en cours de chemin, vous les abandonnez, mais vous aurez des comptes terribles à rendre. Vous aurez des comptes terribles à rendre. Même dans les pays, on va dire comme ça, européens, tout ça là, les parents sont obligés de prendre soin de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Maintenant, quand ils sont majeurs, c'est là où l'enfant, maintenant, selon les lois,
peut aller décider d'aller faire ce qu'il veut, mais tant qu'ils sont mineurs, tu dois prendre soin de tes enfants. Maintenant, quand tu es dans le vin, ton enfant, qu'il soit majeur ou pas, tu es resté son père ou sa mère, tu dois les éduquer. Si quelqu'un qui abandonne ses enfants, il s'abandonne soi-même. Parce que ses enfants, c'est toujours lui. Est-ce que vous comprenez? Il s'abandonne lui-même. Donc, y compris sa femme. Et on vous dit ici, dans Somme 50, verset 21, j'ai combattu le bon combat, virgule. Donc, parce qu'il y a le bon combat. Et Somme dit ici qu'il a combattu le bon combat. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. J'ai combattu le bon combat. Parce qu'il y a le mauvais combat. Le mauvais combat, c'est quoi? Vous allez voir deux religions différentes vont se taper dessus. Ils vont se massacrer, ils vont se tuer, ils vont lancer des bombes. Et pour eux, c'est un combat qui sont en train de mener, mais c'est un mauvais combat. C'est un mauvais combat. Vu qu'au final, ça sert à quoi? Les deux qui se combattent, ils ne sont même pas sauvés. Les deux qui se combattent ne peuvent même pas être sauvés. Donc, le bon combat, on vous dit ici, car, non, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, je sais à l'instant que j'ai achevé la course. Il y a virgule. J'ai gardé la foi. Point. Et Somme, il dit ici, dans Somme 50, verset 21, j'ai combattu le bon combat. Mais pour accéder dans le royaume du grand ordre des choses, ah, il faut combattre. Mais oui. La plupart qui ont fait les, on va dire, les études, qui ont des diplômes, après maintenant, après le diplôme, vous travaillez dans une grande société, vous avez un bon salaire. Mais la période où vous avez étudié, vous êtes sacrifié, ne pas aller peut-être en boîte, ne pas aller ceci, vous êtes sacrifié à bûcher, à bûcher, à bûcher, à avoir des diplômes, c'était un combat. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. De tout le temps. Il faut se faire violence. De même que Esombe dit qu'il traite durement, dans les Bibles, la sonde dit je traite durement ma chair. Donc, il y a des Mongols qui pensent que Paul se flagellait. Comme on voit les faux prêtres, ils se flagellent, donc ils traitent durement sa chair. Non, il traitait durement sa propre nature, ce n'est pas la chair. Donc, j'ai combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat, malgré les épreuves de la vie, des circonstances, malgré les... ce qu'on appelle les démons de circonstances, parce qu'il y a des circonstances que les démons vont manifester. Si tu n'es pas assis, si tu n'as pas cette foi réellement, tu vas tomber dedans. Et quand tu vas tomber, les esprits religieux vont te faire croire que tu es dans le bon, que non, ta nouvelle situation c'est bon, tu vas essayer de raisonner, non. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, je sais. Comment il sait ça? Est-ce que c'est l'Oba qui lui a dit Paul ou bien Esombe que maintenant tu es sauvé? Puisque l'Oba ne parle pas directement à un homme. C'est votre foi, pas le verbe, qui vous témoigne que vous êtes sauvé ou pas. Parce qu'il y a des gens avant qui venaient me dire, oh Zoula, dis-moi, est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin? Je l'ai regardé comme ça et dit, regardez-moi cela. Il faut connaître la spiritualité. C'est la manière dont vous êtes... En gros, la foi, là, c'est le verbe. C'est le verbe. Dieu qui savait le dire. Le verbe est vivant. Le verbe est conscient. Le verbe est conscient. Donc, la manière dont vous allez... Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce qu'elle va vous affranchir comment? Elle est vivante. C'est... On va... Il est au-delà de l'être pensant. C'est une conscience intelligible. Donc, cette foi maintenant, quand vous travaillez ça, il y a des œuvres. Pendant que vous avez des difficultés dans la vie, bon, dans votre existence, vous allez trouver que c'est dur par rapport aux épreuves, et ainsi de suite, mais vous avez quand même la foi. C'est cette foi-là qui vous protège. La foi-là vous donne la force.
La foi là vous permet, vous avez l'espérance. C'est comme si vous êtes en plein de, vous êtes en plein mer. Vous êtes peut-être une pirogue ou bien une chaloupe ou bien en train de pagayer. Vous voyez qu'il y a des vagues. Il y a des vagues, il pleut, il y a le tonnerre. Vous voulez être sauvé. Mais vous avez la foi. Maintenant, on vous montre qu'il y a une île là-bas. Là. Il y a des gens là-bas qui vous attendent. Mais vous allez vous accrocher sur l'image de cette île-là, qui n'est pas trop loin, pour essayer de... Et on vous montre même comment pagailler, faire. On vous donne des gestes pour que vous ne pouvez pas vous renverser. Mais néanmoins, il y a quand même des vagues, il y a quand vous avez peur et tout ça là, mais vous allez quand même espérer. C'est ce qu'on appelle maintenant la persévérance. Il faut être persévérant. C'est ça qu'on dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu seras sauvé sur cette île. Tu seras sauvé. Donc, tu vas. Maintenant, il y a l'entité de force. Tu vas te donner la force. Et pendant cela, il y a l'entité de l'espérance. Vous voyez, pendant que vous pagaillez, il y a toutes ces entités-là. Il faut juste apprendre à les connaître et puis avancer. Et après, vous allez trouver que c'est normal. Et maintenant, il dit ici, maintenant, je sais. Maintenant, je sais à l'instant que j'ai achevé ma course. C'est cette foi-là qui est le verbe maintenant, qui montre ça et son bien, que maintenant où tu es là, tu as persévéré, tu as fait ça, 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 tu as achevé ta course. Pourquoi maintenant il sait ça? Parce que la foi a éclore. La foi qui est là est devenue en maturité. Donc, lui et son bien, il est devenu un homme spirituel. Un homme maintenant, il était transformé dans les trois dimensions, les trois plans, les trois facettes. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, il vous dit qu'il a gardé cette foi-là. La foi, il n'a pas abandonné. Il n'a pas rajouté autre chose. Il a gardé la foi qu'il avait reçue là. Sur le chemin. Quand la foi est venue, cette parole... et son bain, Windinja, Mutudu, cette voix qu'il a entendue, c'est cette voix qui est restée en lui, sous forme de foi, il a gardé ça jusqu'à la fin, malgré les difficultés, malgré les combats, il a dit, j'ai gardé la foi. Maintenant, plus tard, quand vous allez lire, on vous dit, dorénavant avant, la couronne de justice m'est réservée. Et son bain, chapitre 54, verset 6, 46, il est dit, car le juste vivra par la foi et les œuvres alimentées par le verbe de l'oba. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah j'ai la foi en l'oba, mais tu n'as pas les œuvres, ta foi ne sert à rien. Parce que cette foi, elle est duée. Et oui, la foi, elle est duée. C'est comme je me rappelle une fois, la foi, elle est diluée, car le juste vivra, non, le juste connu vivra par la foi et les œuvres. Parce que votre foi doit produire les œuvres. Donc, si vous dites que vous avez la foi, et l'autre dit, j'ai les œuvres, mais tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Ben, si tu as les œuvres selon l'homme livré à lui-même. Or, la foi, c'est la foi qui te met en contact avec le spirituel. La foi... c'est un canal. La foi, c'est un messager. La foi, c'est un guide. Et oui, c'est la foi qui te met en contact direct. Et maintenant, il faut que tu aies les œuvres. Car le juste connu vivra par la foi et les œuvres alimentées par le verbe de l'oba. Et son verbe 23, verset 13 à 14, il est dit, maintenant, donc, maintenant, donc, maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, virgule, l'espérance, l'amour, issu du verbe. Donc, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, issu du verbe. C'est-à-dire que quand vous avez déjà la foi, vous travaillez votre foi, ça produit les œuvres. Il y a la confiance maintenant, il y a l'espérance. Quand tu espères en quelqu'un, ça veut dire que tu sais déjà à peu près comment est cette personne avec toi.
dont tu as confiance, tu espères en cette personne. Or, une antilope qu'un lion va attraper au niveau de la gorge. Parce que l'antilope va espérer que le lion va le lâcher un moment pour qu'elle puisse s'enfuir. Non. Tu ne peux espérer à quelqu'un si tu sais que cette personne va te donner ce dont tu espères. Parce que tu as déjà cultivé quelque chose avec cette personne. Il y a déjà un lien établi avec cette personne. Un lien soit d'amitié, un lien de confiance, un lien de... Voilà, il y a un lien. Maintenant, tu espères que cette personne te donne quelque chose parce que tu l'as d'abord demandé la chose et maintenant tu espères. Dans cela, on dit il y a d'abord la foi. Puisque la foi, c'est un contact entre le spirituel et le visible. C'est ça la foi. Et maintenant, quand ça est travaillé, tout ça, il y a maintenant l'espérance que tu dois quitter le visible pour aller dans le spirituel. Mais pour arriver là-bas, il faut que tu arrives par amour. Donc, c'est les trois. Esombe 23, versets 13 à 14. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, issus du Verbe. Mais, la plus grande de toutes ces choses, après, la libération finale, virgule, c'est la manifestation de l'amour de l'Oba par son verbe. C'est la manifestation de l'amour de l'Oba par son verbe. Donc, vous allez voir les gens qui vont dire, ah, Dieu est amour. Ils vont dire, ah, Dieu est amour. Et il va pardonner ceux qui... L'homme qui couche avec un homme, il va pardonner les assassins, il va faire ceci. Non, Dieu est amour. Il y a des faux prêtres, des faux pasteurs, ils sont là, ils couchent avec des hommes, des enfants. Ils disent non, Dieu est amour, que Dieu l'aime comme ça. Mais quel amour? Vous savez c'est quoi l'amour? N'importe quoi. Quel amour? L'amour que vous ressentez, les sensations là. Vos amours des sensations, des barlivins. Vous pensez que ça, c'est l'amour, ça? Vous savez, c'est quoi l'amour du Créateur? Esombe 31, verset 9 à 10. Car ce n'est pas la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés. C'est par la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi en accord avec les œuvres dictées par le Verbe. C'est tout. C'est tout. Eh oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, arrêtez de croire aux gens qui vont vous dire tout est écrit, que l'Oba avait déjà planifié qu'il y aura un groupe de personnes qui vont être sauvées et d'autres ne seront pas sauvées. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, je répète, Esombe 31, 9 à 10. Car ce n'est pas la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés, virgule, au moyen de la foi, en accord avec les œuvres dictées par le Verbe. Verset 10, ce salut ne vient pas de vous. Parce qu'il y a des gens qui vont se targuer en journée, ils vont dire, ah, je suis une bonne personne, ah, je suis une bonne personne, ah, moi j'aide les gens. Ah, moi, je fais ceci. Ah, je suis une bonne personne. Non, tu n'es pas une bonne personne. Une bonne personne, c'est celui qui met le verbe, la parole du verbe en pratique. Là, c'est une bonne personne pour le spirituel. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de l'Oba. Il n'est pas le résultat de vos efforts, virgule. Et ainsi, personne ne peut se vanter. Eh oui, personne ne pourra se vanter en disant, ah, l'Oba, d'autres vont dire, ah, Dieu m'a choisi parce que je suis bon. Mais t'es qui? Tu es bon de quoi? Ah, Dieu m'a choisi parce que je suis bon. Mais tu délires ou quoi? En quoi tu es bon? Tu es bon comment? Non, Dieu m'a choisi parce que
Parce que moi, je fais du bien. Parce que je fréquente pas les prostituées. Parce que je bois pas de l'alcool. Parce que je fais pas du Congo, ça. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Comment tu sais que tu es une bonne personne? Comment quelqu'un va savoir qu'il est une bonne personne? Qu'il a des bonnes œuvres? Tu sais ça comment? C'est la loi morale qui te dit, et cette loi morale vient du verbe de Loba, qui te montre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Le fait qu'on te dicte, voici, fais ça, ou bien ne fais pas ça, tu ne peux pas te vanter, tu ne fais qu'obéir. Donc tu ne vas pas te prétendre que tu es une bonne personne. Mais si tu es une bonne personne, ne pêche jamais. Ah oui, il ne faut jamais pêcher. Là, tu... Là, oui. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de l'Oba. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Donc, on va dire ce qu'on appelait Mère Teresa. Qu'elle était une bonne femme. Elle va au paradis. On a même dit c'est une sainte. Elle est bonne de quoi? Hein? Vu qu'elle croyait en ce Jésus, à ce faux démon-là, ben elle ne pouvait pas être bonne. Les gens qui vont, il y a des organisations, il y a des gouvernements qui vont donner des dons. Ils vont donner des dons dans tel pays, des dons à l'orphelinat, tout ça. Ils vont dire, ah, ils sont des bonnes personnes, des acteurs, ou bien des chefs politiques, ou bien des gens, ils vont donner des choses, des dons. Ils vont dire, ah, va, des dons. Donc, ils sont des bonnes personnes. Quelles bonnes personnes? Les dons, là, ce que tu as donné, tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Donc, vous voyez ici, ce salut ne vient pas de vous, il est un don de l'Oba. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. Personne ne peut se vanter. Personne ne peut se vanter. Personne. Eh oui. Donc, parce qu'il y a des gens qui pensent que les autres sont des moins que rien, et eux, ils sont quelque chose. Parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi. Ils pensent qu'ils ont... ils ont l'argent. Ils ont construit. Ils ont la gloire. Donc forcément, ils sont plus importants que... On va dire un pousseur. Quelqu'un qui vend les arachides. Mais qui t'a dit ça? Tu es plus important que lui où? Dans quelle réalité? Dans la réalité de mon père? Mais tu rigoles ou quoi? La seule personne qui peut dire que je ne suis pas n'importe qui, c'est celui-là ou celle-là qui met la parole en pratique. Ouais. C'est celui-là ou celle-là qui met la parole en pratique qui doit dire qu'il n'est pas ou elle n'est pas n'importe qui. Eh oui, c'est comme ça. Donc voilà le but de l'enseignement par rapport à la foi. Maintenant, la foi, ça se cultive. Si vous pensez que vous avez perdu la foi, il faut prier, demander à l'Oba, par son verbe, de vous rajouter la foi, de vous donner la foi. La foi, ça revient. C'est le verbe, le but, c'est quoi? C'est que vous soyez sauvé. Hein? C'est pas autrement, on a créé l'homme pourquoi? Parce que l'Oba, c'est pas un homme. L'Oba, c'est pas un homme. Donc, si vous pensez que vous avez perdu la foi, vous repartez, vous lisez peut-être un passage en Bible, vous pouvez chanter, vous priez. Si vous voulez pleurer, vous pleurez. Vous priez, vous dites que vous voulez que vous, la foi que vous avez eue, ça puisse être réanimée et puisse grandir. Le verbe de l'Oba est fidèle. La foi va revenir. La foi, elle est là, elle va.
Maintenant, et pour alimenter cette foi, il faut continuellement et rester autour de la parole. Donc, suivre les messages, lire, chanter, prier, méditer. Il faut continuellement rester dans la parole. Ne vous éloignez pas. Restez constamment auprès du feu. Mais si vous vous éloignez dans l'obscurité, il fera froid et vous allez tomber dans le vide. Assistez aux enseignements, aux exhortations, regardez les vidéos, réapprenez, 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 réapprenez. Ne dites pas que c'est perdu pour vous, ou bien non. Un enfant, vous qui avez des enfants, quand votre enfant fait quelque chose qui ne va pas, vous corrigez peut-être l'enfant. Vous allez peut-être corriger l'enfant. L'enfant ne va pas mettre dans sa tête que ah, papa m'a fouetté ou bien papa, maman m'a puni. Donc, demain, je ne peux plus venir vers maman, lui demander quelque chose bien pour venir m'asseoir peut-être sur ses cuisses. Non. Si les enfants pensent comme ça, si vous-même, un enfant, vous corrigez votre enfant le lendemain, c'est vous-même qui allez encore rigoler avec votre enfant. Combien de fois plus le bas? Peu importe où vous vous trouvez, peu importe ce que vous faites, dans où vous êtes entré et que vous vous sentez mal, le verbe de l'Oba est fidèle. Vous pouvez toujours sortir de là. Rien n'est perdu. Ayez juste confiance au verbe. Ayez juste confiance au verbe. Ayez juste confiance au verbe. Souvenez-vous des patriarches. Les Tondo, les Tindi. Tindi avait il avait 1 000 femmes. Il pratiquait l'idolâtrie. À un moment, mais il est sorti de là. Il est sorti de là. Il y a beaucoup. Tant que vous êtes dans le visible et que vous ne parlez pas directement contre le verbe. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, pour les questions-réponses. Bon, il est un peu 20 h passées. Maintenant, si vous voulez vous connecter, dans les questions-réponses, vous pouvez toujours vous connecter. Et puis, il y aura toujours. On va toujours. Il y aura on va toujours répondre en gros. Donc voilà, partagez le direct et ne baissez pas les bras. Loba manifeste la fidélité. Donc soyez aussi fidèles. Parce que il manifeste la fidélité, vous respirez l'oxygène qu'il a créé. Donc